Salut Sunshine! Ça va mon pote? Salut! Pour nous, la roulotte est là. J'ai oublié. Elle vient de là-bas en bas. On a monté tout ça. Voilà. Tout ça pour ça. Dis bonjour Sunshine. On a bien monté la roulotte. Voilà. Et pour lui, elle pèse au moins un bon 115-120 kilos quoi. À vide. Donc voilà, c'est parti pour une petite cure d'amaigrissement et quelques améliorations. On revient très vite. Alors, on va vous annoncer juste le bois de la structure de la roulotte. Alors, on a combien? Là, de ton côté, et je vais le faire en direct, nous avons 68 kg sur une roue et 10 sur l'autre. Ça fait 78 kg. 78. Ouais, c'est mon année de naissance. C'est mon année de naissance. Alors, 78 plus 40. 118. Déjà 78, ouais, c'est ça. 118 plus 26. 100. Attendez, 118 plus 26, ça fait 138, 144 kilos. C'est possible ça? Tu parlais de la phrase tout à l'heure, tu m'avais pas dit que tu devais la faire à 80 kilos là. Normalement, maximum 80 kilos pour être confortable. 145 kilos. Ouais. Et voilà. On va faire un régime, hein? D'accord? Regardez-la bien, parce qu'à mon avis, vous la verrez plus comme ça après opération. Alors là, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Max le Bourlingueur, mâcheur cyclonomade en vélo-roulotte avec ses chiens Minos et Nouchka. Nous sommes ces Sunshine Freeman derrière le masque. Et nous sommes ici surtout pour un recustomisage de la roulotte. Le but est de lui faire perdre un peu de poids et d'améliorer ce qui ne va pas, comme les béquilles. Donc voilà, pour le moment, j'ai désossé toutes les parties. Donc le sol du coffre et les côtés. Toute cette partie d'avant est changée. Toute cette partie d'avant est changée. Et voilà, j'ai retiré 13 lattes de lit parce que toute cette partie ici derrière que vous voyez jusqu'à ici, donc en extérieur, ça nous donne de là à ici, donc au niveau de l'axe de la roue, en dessous du lit, ça va être du plein. Donc j'ai retiré pour ça 16 lettres de bois et puis vous voyez tout ça que j'ai retiré tout à l'heure. Voilà, bienvenue dans Pimpa Roulotte. Alors ça va se passer en plusieurs épisodes. Première partie, désossage. On est déjà à la moitié. On va faire une roulotte décapotable. La roulotte sans culotte. Alors on enlève le toit. Ouais. Ok. Oh putain. Il fait 25 kilos. C'est quoi ce toit? C'est le pire, c'est un peu. Ah bah on va le peser comme ça. Soit on le pèse directement en lui. Tu montes sur la balance. Régime, hein. Ouh, je n'y connais pas. On va perdre 25 kilos d'un coup. Voilà. Ouais, bon, il n'y a même pas besoin. En fait, on pourrait la mettre elle direct. Quoi que. 60 kilos. Vas-y. On va lever là. Vas-y. Je touche plus. 19 kilos, je crois qu'elle fait. T'es à 79. C'est ça? Ouais.
60. Bah, vu que tu bouges, voilà, 78. Ça fait 19 kilos. Ah ouais, 19 kilos. Ah ouais. J'avais dit 20 kilos, moi. Ah bah, bien vu. C'est vrai qu'avec le liège et tout. Ouais, et bah du coup, tu vas passer de 19 kilos à 2 kilos. Tu vas en faire quoi de ça? Mais ça n'empêche, ça c'est une dorée rare. Hein. On veut, après, n'importe quel morceau qu'on a besoin, on coupe dedans et on peut faire tout. Peut-être sans toi. Voilà, c'est le jour de mon anniversaire et c'est l'autre qui fait joujou avec son cadeau. Tu chantes, Emma ? Qui chante ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Max. Joyeux anniversaire. Yeah ! Bravo ! Une jambe 45. Oui, une jambe 45. Il a vécu, hein. Il a vécu, bah oui. Il a voyagé, hein. Oui, bah oui, dans l'état quand même. Souvenir du... Le résultat de 3 km de route sur un vélo. Il a bien voyagé. En même temps, c'est de la mousse, t'as vu. Il y a praliné, chocolat blanc et Magnifique. Oui, bon, on va aller goûter ça. Et là, on a presque retiré 67 kilos au total. Alors... On est en Vedoro. Non. Ça c'est du beau travail. Attends que ce soit verni. Ça va être plus joli. Elle sera vernie. Et voilà les amis, dans sa nouvelle version allégée, donc on va la reposer après, mais dans cette version là, donc avant le rhabillage, elle fait environ 72 kg plus ou moins, et là on va faire un essai route avec la nouvelle attache, avec la nouvelle version, simple et sûr. Déjà elle a perdu du kilo la roulotte, ça se voit. Alors là, je vous fais un de ces plans de vue. Max à la, au pilotage. Ah ouais. Et moi, je suis dans la roulotte sans culotte. Wouhou! Underworld again. Ça, c'est de la route. Faut qu'on ait des routards, mec. Ça va avec le poids? Max voulait tester avec du poids, voilà. Je suis son poids. Ah, moi j'ai réussi à faire demi-tour d'un coup tout à l'heure. Yeah! Ah ouais, le futur terrain de Max. C'est ce qu'on espère en tout cas. Un terrain en friche avec un grand potentiel.
Ça y est. Premier essai de Max en... J'ai déjà oublié les commentaires que je faisais. Et sans les chiens. Et sans les chiens, ouais. Il a perdu quelques kilos. Ouais, voiture devant. Voilà, donc Max est passé en simple essieu. Et on a enlevé 70 kilos, plus ou moins, de roulotte. Et on lui a refait le bras de direction aussi. Maintenant, il n'y a plus de... Alors, je vais essayer de bien filmer. Bah, ça, c'est Max. Vous connaissez Max? Bah, Max, toujours sans moteur, évidemment. Et là, il n'y a pas les chiens. Vu que c'est en essai, bah, il n'y avait pas besoin. Surtout que la roulotte est très, 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 très légère. Max la trouve même trop légère, j'ai l'impression. Ah ouais, carrément, tu fais du tout terrain, toi. Ouais, tu testes, hein, ouais, t'as raison. T'as raison. Voilà. On va aller se balader le long de la Meuse, si tu veux. Ah, t'as mais... peut-être des petits tremblements, mais t'as pas de balancement, en tout cas. Ouais, c'est ça, mais plus de balancement, je me dis, le mal de mer, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis tout seul, j'ai aussi envie de faire. Allez, allez, chien. Allez, les chiens. Déformation professionnelle. Ah, ça marche. Bah oui. Allez, allez, il est tout seul, Max. Et ben voilà, en tout cas, premier essai concluant. La roulotte n'a plus de balancier. Ça roule tout seul. Bon, il n'y a pas le matos, évidemment. Il n'y a pas encore tous les murs, mais... Ça roule, mon petit poulet. Voilà, on commence l'habillage. Test 1 pour savoir s'il faut chauffer la paroi afin qu'elle courbe parfaitement. Ouais. Voilà qu'on vient là. Il faut que ça prenne, il faut que ça colle à côté. Nous sommes actuellement indisponibles pour des raisons de travaux, comme vous voyez derrière moi. La semaine prochaine, promis, on revient avec des plus longue séquence et les explications sur l'avancée des travaux. Et à la semaine prochaine, déjà d'avance.